On est de retour avec Stéphanie. Cette fois, c'est pour nous parler d'un mini-album qui est sorti dans les tout derniers jours. Ça s'intitule Wanting. Oui, en fait, c'est une artiste qui est originaire du Manitoba qui a fait partie dans les dernières années d'un groupe qui s'appelle Chic Gamine. Peut-être que ça vous connaît le groupe, mais je ne connaissais pas la chanson. Le groupe avait gagné un Juno au tout début de leur parcours. Après une décennie de tournée, ils ont fait des spectacles partout en Amérique du Nord. Chacun des membres, parce que oui, c'est principalement des filles qui étaient des autrices, compositrices, interprètes qui étaient derrière le projet, mais il y avait aussi, entre autres, le conjoint de celle que vous venez d'entendre, Annick Brémeau. Son nom de projet musical, Aloysius Bell, et c'est lié à un parc pour nos téléspectateurs qui connaîtraient bien Hochelaga Maisonneuve. Il y a un parc qui s'appelle Saint-Aloysius. Et pourquoi elle a décidé de choisir ce nom-là? Je vous avais parlé cet automne des sœurs Bronté. Trois femmes, trois filles qui utilisaient des pseudonymes masculins. Absolument. Pour publier leur roman. On était au début du 19e siècle et elle s'est inspirée de ça, s'est dit, pour un peu s'affranchir, pour avoir une liberté pour créer. Elle a décidé d'utiliser le nom d'un homme et le nom peut se dire, là, vous pouvez dire Aloysius Bell. J'ai jamais su comment prononcer ce mot-là. Aloysius Bell, peu importe. Annick Brémeau me confirmait qu'il n'y a aucun problème. Ce projet-là est principalement en anglais, mais avec Chic Gamine, il y avait, oui, des chansons en français. Peut-être qu'il y aura dans les prochaines années des pièces francophones. Est-ce qu'elle est donc franco-manitobaine? Tout à fait. Okay. Et puis, ce projet-là, elle l'a pensé vraiment sous forme de pièces. Donc, il y a eu quelques chansons qui avaient été lancées avant la pandémie, en 2019. Et là, ce mini-album qui a été lancé hier, Wanting, ce sont vraiment 6 chansons qu'on peut écouter à l'unité. Il n'y a pas vraiment là, le but d'écouter les pièces l'une à la suite de l'autre. Il faut savoir que Ariane Brémeau a travaillé avec Drift Note, un artiste non-binaire de Toronto, artiste visuel, multi-instrumentiste, mais en fait, qui est vraiment spécialisé en synthèse modulaire, c'est-à-dire qu'il a ce clavier, qui a plusieurs sons, il y a tellement de possibilités. Ça a été un travail à distance parce que les deux se sont jamais rencontrés, mais se connaissent depuis longtemps et conceptualisaient les chansons comme des univers. Elle m'a parlé de Björk, entre autres. Moi, sur certaines pièces, j'ai pensé aussi dans sa voix avec certaines envolées musicales. Des fois, je me disais, il y a un peu de Sia, le début là, de son parcours. Une voix donc vraiment qui est comme un instrument, mais elle m'a dit qu'elle s'attardait beaucoup tout aux mélodies de chacune des pièces. Tu penses qu'on peut aller écouter un autre extrait? C'est lequel? Concert le 23 février au Petit Campus pour les téléspectateurs de Montréal, peut-être une tournée par la suite. Donc là, vous voyez en fait une session live, ça a été enregistré à la Créasphère dans Myland. Crooked Lip, vous retrouvez donc cette pièce-là sur le mini-album, 6 chansons. Et il n'y a pas un son distinct qui est commun d'une pièce à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est très pop, il y a parfois une sonorité plus électro, une autre qui est plus soul, R&B, et c'est vraiment pour elle l'idée de nous submerger par sa musique, qu'on soit vraiment, qu'on entre dans son univers. Moi, j'ai beaucoup apprécié à écouter là, cette envie d'une nouveauté musicale. Oui, très bonne suggestion.